Ce que Dieu fait, son précieux nom est tout puissant. Quand on y croit, il nous répond. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux nom est tout puissant. Quand on y croit, il nous répond. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Son nom, mon sauveur, sois loué à perpétuité. Nous allons confier ces moments entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur Jésus. Sauvé, béni soit son nom. Il m'a gardé, béni soit son nom. Il m'a gardé, béni soit son nom. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Eh hey, Jésus, il m'a sauvé, béni soit son nom. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Prions pour toutes les premières dames de l'Afrique. Prions pour toutes les premières. Je vois une première dame. Une première dame. Je dis prions pour toutes les premières dames. Une première dame que les gens sont de frapper, maltraiter, violer. C'est pour cela, prions pour toutes les premières dames de l'Afrique. Prions pour toutes les premières dames. Pour toutes les premières dames de l'Afrique. Oh Jésus, non, ça fait peur. Il m'a gardé, oh, béni soit son nom. Prions pour toutes les premières dames de l'Afrique. Dieu me montre une première dame que les gens maltraitent, violent. Il m'a sauvé, béni soit son nom. Mon sauveur. Oh,
mort. Pourquoi la haine? Prions Dieu. Père, je demande ta miséricorde. Père, je demande ta miséricorde. Père, je demande ta miséricorde. Touche les cœurs. Jésus de Nazareth, béni sois-tu pour ton amour, ta fidélité. Alléluia. Voici un passage que Dieu me donne. Mais Dieu ne me donne pas le passage pour le prêcher. Mais il me donne le passage pour dire quelque chose. Le Seigneur a dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie explique ce qu'il voit. Il dit au prophète Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie répond, je vois tant. Il explique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut expliquer ce qu'on voit? Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'on voit? Est-ce que les gens peuvent accepter la vérité et qu'ils peuvent accepter qu'on explique ce qu'on voit? Voici un problème. Voici un problème. Gloire à Jésus. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie explique ce qu'il voit. L'air est grave. Mais est-ce qu'on peut expliquer ce qu'on voit? Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions Dieu. Prions Dieu. Demandons la grâce de Dieu sur le pays. Béni soit son nom. Prions Dieu. Oh mon Dieu, prions Dieu, prie Dieu dans ta maison. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. Toi le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricorde, le Dieu d'Abraham, nous voulons demander ta miséricorde. Nous voulons demander ta miséricorde. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, nous sommes là, la gloire de Dieu. Nous sommes là, Saint-Esprit. Nous sommes là, nous sommes là pour toi. Dis à Dieu que tu es là, qui se souvient de toi, prions le Seigneur. Père, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Saint-Esprit. Souviens-toi de nous, Saint-Esprit de Dieu. Jésus de Nazareth, souviens-toi de nous. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricorde, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob.
ô Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je mettais tout de mes péchés, si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mes péchés, si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir. En toi-même, si tu sais que tu es encore dans les choses, si tu sais qu'il y a des choses qui te fatiguent, confie-toi à Dieu, reviens, réconcilie-toi avec Dieu, prie le Seigneur et rentre dans toi-même, parce qu'il y a une course qui va se faire. Et cette course-là, ce n'est pas celui qui court trop qui va gagner. Mais c'est celui qui sera avec Dieu qui va gagner. Il va avoir une course. Et cette course-là, ce n'est pas celui qui court. Oh, désormais, ce ne sera plus comme ça. Mais ce sera celui qui sera avec Dieu. Oh, quand il y a course, c'est celui qui sait courir qui gagne. Mais le Seigneur dit, désormais, ça ne sera pas comme ça. Ce qui va venir là, c'est celui qui est avec Dieu qui va gagner. Confie-toi à Dieu, réconcilie-toi avec Dieu. Prions Dieu. Confie-toi à Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Je vous le dis. Je vous le dis, une voix crie, la voix de Dieu crie. Je vous le dis, ce n'est pas de l'amusement. Tu ne pourras même pas courir. Dieu est Dieu. Si j'ai fait des choses, pardonne-moi. Je viens à toi. Je me réconcilie avec toi. Fouille dans ta vie. Va fouiller dans ta vie. Prie Dieu. My God, Jesus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Hori ki di pawara kasa. Alléluia. Confie-toi à Dieu. Alléluia. Si je me détourne de mes péchés, si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Hori Kinimawara. Vous voyez, en 1919, Au temps de Guéhi, lorsque Guéhi luttait à Ibéti, le Seigneur a révélé, a montré un champ de papaye. Et il a dit, est-ce que la bénédiction de papaye là, c'est durable? Il y a des choses que Dieu révèle à ses serviteurs, à ses prophètes, et Dieu même donne la signification de ces choses. Quand le Seigneur a révélé encore,
grand cimetière. Et le Seigneur a dit, ça va se terminer par la mort. Il va y avoir des tueries et ça va se terminer. Le pouvoir là, il va prendre, mais comment ça va se terminer? Et le Seigneur, nous sommes dans une situation. Le Seigneur parle et toutes les prophéties que Dieu donne, c'est qu'il va avoir guerre. Il va avoir les troubles. Le Seigneur dit même, il va sauver, mais on va traverser d'abord avant qu'il ne sauve. On prie Dieu. On prend les moments de jeûne. On crie à Dieu. Mais c'est les mêmes prophéties. C'est les mêmes prophéties que Dieu donne. Dans la journée, dans la maison, j'ai prié. Dans la prière, les mêmes choses que Dieu a données. Les mêmes choses. Hier, nous sommes venus prier. Le Seigneur a révélé. C'est comme une tombe qui était là. Et il y a quelqu'un qui est sorti de la tombe. Et quand la personne est sortie, la personne a commencé à marcher. Au fur et à mesure que la personne approchait, tout devenait noir. Noir, noir, noir. Et tout d'un coup, toute la côte va devenir noire. Il y a eu l'obscurité sur le pays. Mais c'est un esprit de mort qui est sorti des cimetières. Et le Seigneur a dit, l'esprit de mort est rentré en Côte d'Ivoire. L'esprit de mort est rentré. Aujourd'hui encore, le Seigneur a donné la même révélation. Quand j'étais à la maison, quand nous sommes venus hier, le Seigneur a révélé où il y avait des tirs. Tout était prêt, tout était prêt. C'est comme vraiment, même les pays voisins, tout était positionné. Et lorsque nous regardons la vidéo du 20 janvier 2019, le Seigneur a dit dans la même vidéo, dans la prophétie, que tout est disposé, tout est déjà disposé, tout est prêt. Et le Seigneur continue à parler de ça. Tout à l'heure, quand on a commencé la prière, le Seigneur a dit encore, il dit tout est déjà prêt. Tout ce que les gens vont prendre pour faire là, pour tirer, tous les fusils sont déjà en Côte d'Ivoire. Tout est déjà là. Tout. C'est même pas l'étranger, c'est déjà là. Toutes les dispositions sont déjà prises. Ce que nous allons demander, c'est la miséricorde de Dieu. Nous allons demander, s'il vous plaît. Prions le Seigneur, demandons la miséricorde de Dieu. Oh Jésus. C'est la même chose que Dieu dit. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père, aide-nous. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, tends ta main sur nos vies. Que chacun prie pour sa vie. Et tenez le temps de ta main sur nos vies. La fois parce qu'on priait ici, Dieu a donné une révélation où les gens ont pris des pouvoirs, des gens ont pris des fétiches, d'autres même ont pris des pouvoirs pour disparaître. Encore, Dieu me révèle encore. Beaucoup de fétiches sont rentrés en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de fétiches. Il y a des gens qui ont des féticheurs, qui ont déplacé des féticheurs pour la situation qui vient. Il y a des gens qui ont loué des maisons, qui ont déplacé des féticheurs pour la situation du pays. Donc, chrétiens, soyons véritablement chrétiens. Il y a des gens qui ont déplacé des féticheurs. Des fétichés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des fétichés sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et beaucoup réclament le sang. Beaucoup réclament le sang. Orikata.
Dans la prophétie de 2019, le Seigneur a dit, Côte d'Ivoire, tu as choisi les fétiches et tu as refusé d'adorer Dieu. Et chaque jour, Dieu répète ça. Ce soir, Dieu vient de me dire qu'il y a beaucoup de féticheurs. Des gens ont déplacé des féticheurs. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ah! À qui irons-nous, Seigneur Jésus? Prions Dieu. Demandons la protection de Dieu sur nos vies. Prions Dieu. Prions Dieu. Que tes vaisseaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne me prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Dieu pour moi. Demander à Dieu, nous allons demander son secours sur nos vies. Prions le Seigneur Jésus, demandons le secours de Dieu, 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 demandons le secours de Dieu. Ah Seigneur, aide-nous. Demandons le secours de Dieu. Nous demandons ton secours. Nous demandons ton secours, Jésus. Nous demandons ton secours. Père, je te rends gloire. Alléluia. Voici ce que Dieu révèle. Je vois des produits. Voici comment le diable a amené des gens à opérer encore. Ça dit que quand tu vis ta vie, il faut bien mener ta vie. Et ne dis pas que tu vas vivre comme ça. Quand le Seigneur a révélé, a donné la première révélation, j'ai pris un moment, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, fais comment? Le Seigneur a dit, c'est pourquoi je vous avertis. Ça dit, des gens se préparent. Ce n'est pas de l'amusement. Les gens se préparent. Et voici une autre manière encore que le diable a utilisé les gens pour opérer. J'ai vu une bouteille et dans la bouteille, il y avait un produit dedans. Et j'ai vu des personnes qui sont allées devant une maison et qui ont commencé à pomper, qui ont commencé à pomper autour de la maison, qui ont commencé à pomper dans les fenêtres, qui ont commencé à pomper pour droguer tout le monde qui était dans la maison. Au point où les gens étaient dans le sommeil et les gens sont rentrés dans la maison. Toutes les dispositions. Et c'est comme les gens sont dans la maison, mais ils sont comme des gens qui sont morts dans la maison. Et les gens sont rentrés dans la maison et font tout ce qu'ils veulent. Ce qui va se passer, c'est diabolique. C'est diabolique. Le diable donne des inspirations aux gens pour pouvoir opérer. Nous allons encore prier, demander le secours de Dieu. Prions le Seigneur. Horikata mawarakata. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Toi qui es Dieu. Toi qui es miséricorde. Comment nous allons faire, Seigneur? Ne nous abandonne pas, Seigneur. Et tends ta main sur nos vies, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Rime, c'est la vie.
et chercher de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie que cherche de mon âme. Oh, chrétiens, nous allons prier. Nous allons prier encore une fois. Nous allons chasser l'esprit de mort. Nous allons chasser l'esprit de mort. Que l'esprit de mort s'éloigne de nos vies. Prions le Seigneur. Tenons-nous debout. Parce que si tout cela, le diable organise tout cela, et que le Seigneur est avec toi, rien ne pourra t'arriver. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Dieu tout puissant. Dieu de gloire. Dieu de miséricorde. Dieu de compassion. Nous demandons ta miséricorde. Nous repoussons les esprits de mort. Les esprits de mort. Les esprits de mort. Nous repoussons les esprits de mort. Éternel agit dans nos vies. Éternel combat pour nous. Éternel combat pour nous. Éternel combat pour nous. Éternel combat pour nous. Nous repoussons l'esprit de mort. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas demander à Dieu d'envoyer ses anges et de garder ta famille, ta maison. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, je prie. Envoie tes anges pour garder Jésus-Christ, nos maisons, Seigneur. Pour garder nos maisons, Seigneur. Et que toutes nos maisons soient gardées, Seigneur. Les maisons des enfants spirituels soient gardées. Nos vies soient gardées. Les enfants soient gardés. Jésus est dans ta main, Seigneur. Nous demandons ton secours. Envoie tes anges dans nos différentes maisons, Seigneur Jésus. Dans nos lieux d'habitation, Saint-Esprit de Dieu. Jésus, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Levons les mains vers le Seigneur. Ce que je vais vous dire à tout le monde, nous prions. La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 6, verset 10. Lorsque vous priez, nous devons prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous sommes en train d'intercéder. Intercéder. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier pour nos vies. Selon la situation du pays, les choses vont mal se passer. Les choses vont mal se passer. On prie. On prie. Mais Dieu n'a pas changé les paroles. La seule chose que Dieu a dit, il va protéger ses enfants. C'est ce qui nous arrange. La seule chose encore, deuxième chose que Dieu a dit, la Côte d'Ivoire va traverser et après, la main de Dieu va se manifester. Mais pour dire qu'il ne va rien avoir, Dieu n'a pas dit ça. Donc, je vais amener chacun dans ta maison, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Il faut te confier dans la main de Dieu. Il faut te confier dans la main de Dieu. L'air est grave. L'air est grave. Parce que le Seigneur répète les mêmes choses. La fois passée, on a vu une vidéo. On est tombé sur la vidéo où le Seigneur a parlé de la situation du Mali. Le Seigneur, on a même prié pour le Mali. On a même prié pour le Burkina. Mais malgré cela, ça s'est passé. Il y a encore Dieu a parlé encore du Burkina encore. Dieu a parlé encore du Nigeria. Dieu a parlé encore de Lomé. Donc vraiment,
La situation de l'Afrique est compliquée. Tout ce que nous devons faire, c'est de prier. Nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Mais il faudrait que chacun se dise dans sa tête que la situation n'est pas bonne. Que l'air est grave. Comment se comporter? Soit avec Dieu. Chacun doit être avec Dieu. Pour que Dieu soit avec tout le monde. Pour que Dieu soit avec toi. Alléluia. C'est ce que je peux dire à chacun. Sois avec Dieu pour que Dieu soit avec toi. Ne lâche pas la main de Dieu. Ne fuis pas la main de Dieu. Ne vis pas dans le péché. Sois avec Dieu. Si tu es avec Dieu, Dieu sera avec toi. Mais si tu n'es pas avec lui, Dieu ne sera pas. L'épée va passer, mais Dieu va protéger ses enfants. Alléluia. Devant les mains du Seigneur, je vais prier pour tout le monde. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde, de suivre Jésus, de devenir ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Moi, ça réfléchit dans ta tête. Si tu as du riz, il faut garder. Si tu manges, il faut aussi garder d'autres. On ne sait pas comment ça va se passer. Alléluia. Si tu manges, il faut garder aussi d'autres. C'est un sac de riz, des sacs de riz. Garde ça dans ta maison. On ne sait pas à quel moment. Dieu n'a pas aussi dit, c'est tel jour ça va se passer. Seulement hier, il a dit, les deux semaines qui sont devant, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On ne sait pas quoi. Alléluia. Gloire à Jésus. Levons les mains vers le Seigneur. Levons les mains vers le Seigneur. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous avons le Fils de Dieu et nous avons la vie. Le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous protège. Mais c'est une grâce que le Seigneur a averti ses enfants. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur a averti ses enfants. Pour qu'on sache marcher. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Levons les mains vers le Seigneur. Je vais confier tout le monde dans la main de Dieu. Levons les deux mains vers le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh Jésus-Christ. Vous voyez? Le Seigneur dit à Jérémie, si tu intercèdes, je ne vais pas écouter ta parole. Et c'est ce message qui est en train de sonner dans ma tête, qui est en train de sonner. Ça veut dire que les choses sont arrêtées par Dieu. C'est un décret qui est arrêté. C'est quelque chose qui est arrêté par Dieu. La Bible dit que rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'a voulu. C'est quelque chose. On repousse, on prie. Quand même j'ai quitté la maison, je venais dans la voiture. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Parce que Dieu était en train de me parler. Et je savais que si je venais prendre le micro, ça allait être les mêmes choses. Je savais que ça allait être les mêmes choses. J'étais dans la voiture. Quand je venais, c'est des choses que Dieu a déjà dit. Il a prié qu'on allait faire, ça n'est même pas faire quelque chose. C'est quelque chose qui est arrêté par Dieu. C'est quelque chose qui est arrêté par Dieu. Je vous dis, en 2011, j'étais là. C'était mercredi. Et le Seigneur m'a dit, va prier. Va prier. Et je me suis levé, je suis allé prier. Lorsque je suis allé prier, le Seigneur a dit, il va y avoir guerre.
un mercredi. Quand le Seigneur a parlé, j'ai appelé les enfants spirituels pour dire, voyez ce que Dieu a dit. Et le Seigneur a précisé, j'ai un enfant spirituel, Dieu dit, reste dans ta maison. Mais quand ça va se calmer, devant ta porte, devant ta maison, il va y avoir beaucoup de corps. Mais toi, Dieu dit, tu ne seras pas touché. Et c'est comme ça, cette personne s'est enfermée dans sa maison. Et il dit, même son voisin était tué. Son voisin était tué. Et il s'est levé. Quand tout est fini, devant sa porte, il y avait beaucoup de corps. Donc le Seigneur parle encore. Cette année encore, le Seigneur parle. Le Seigneur dit, Ivoirien incrédule. Ivoirien ne l'écoute pas. Un jour, on priait ici, le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu peux faire? Tout ce que les gens peuvent faire, c'est de se confier à Dieu. Mais après tout cela, l'Ivoirien va chercher Dieu. Il va voir l'importance du secours de l'Éternel. Après tout cela, l'Ivoirien ne va plus aller à l'église pour s'amuser. Parce qu'il va reconnaître que le secours là, ça vient de l'Éternel. Et bien même le Seigneur veut prier. Et quand Dieu parle, il accomplit ses paroles. Quand ça a commencé, 2011, on a commencé à prier. On priait même pour le président Gbagbo. On dit, Seigneur, pour soutenir Gbagbo, pour soutenir telle personne. Le Seigneur dit, arrêtez de prier pour lui. Ils vont l'arrêter. On prie pour telle personne. Le Seigneur dit, arrêtez. Ils vont l'arrêter. Tous les prêts écoutés. Le Seigneur dit, non, ils vont les arrêter. Nous, on ne fait pas la politique. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais quand tu vois un danger sur une personne, il faut prier. Il faut prier. Au milieu politique, beaucoup vont perdre leur vie. Parce que la haine est des deux côtés. Il va y avoir beaucoup de femmes veuves en Côte d'Ivoire. Il va y avoir beaucoup de femmes veuves. C'est-à-dire les femmes vont perdre les maris. Il va y avoir beaucoup d'orphelins. Et beaucoup de femmes veuves. Beaucoup d'orphelins. Il va y avoir beaucoup d'orphelins. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoquons Dieu chaque jour, chaque matin, quand tu te lèves, avant de sortir, il faut prier Dieu. Chaque soir, il faut prier Dieu. Prends ça comme ton sujet de prière à ce moment. Si Dieu te donne quelque chose à manger, mange. Mais le plus important aujourd'hui, c'est ta santé, ta protection. C'est ça. C'est vrai, on a dit que l'air, je vais aller chercher l'argent, je fais ceci. Nous ne sommes pas en sécurité. Le pays n'est pas en sécurité. Si Dieu te donne le peu, il te donne peu, il faut manger. Et puis il faut veiller sur ta personne. Veille sur ta personne.
Il faut savoir gérer le peu que Dieu te donne. Il faut savoir gérer le peu que Dieu te donne. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer le peu que Dieu te donne. Et mets l'accent sur ta vie. Mets l'accent sur ta vie. Mets l'accent sur ta vie. Il faut savoir choisir tes amis aussi. Il faut savoir choisir tes amis. Même au niveau de la jeunesse ivoirienne, il y a d'autres que les gens m'ont proposé des gens, de l'argent, pour pouvoir assassiner des amis. Il y a d'autres que les gens m'ont proposé de l'argent pour pouvoir assassiner les amis. C'est pour cela, il faut savoir choisir tes amis. Dites-vous que le mal est rentré en Côte d'Ivoire. Dites-vous qu'un esprit de crime est rentré en Côte d'Ivoire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Faites attention. Parce que les gens vont vouloir faire utiliser certaines choses pour faire des sacrifices. Quand vous partez dans les salons, faites attention à vos ongles. Il y a des fétichés qui sont là, qui demandent des ongles des gens. Faites attention. Faites attention à vos cheveux. Il faut connaître la personne qui touche ta tête. Il faut connaître ces personnes. Le pays est devenu un pays de sacrifice satanique. Et l'amour d'argent. Et l'amour d'argent. L'amour d'argent. Je vois des fous dans les rues. Si on ne prie pas, les années qui vont venir, il va y avoir beaucoup de fous en Côte d'Ivoire. Beaucoup de fous. Si au niveau des jeunes, priez pour ce sujet. Priez pour ce sujet. Bon, chercher à mener beaucoup de jeunes dans les pratiques mystiques. Vous les envoûter avec de l'argent. Ils vont les envoûter avec de l'argent. Et beaucoup de jeunes filles vont séduire beaucoup de jeunes filles avec de l'argent. Et beaucoup seront tuées dans les hôtels. Beaucoup de jeunes filles seront tuées. Beaucoup de jeunes filles seront tuées. Ils vont les séduire avec de l'argent. Ils vont séduire beaucoup de jeunes filles avec de l'argent. Je dis, ils vont séduire beaucoup de jeunes filles avec de l'argent. Donnez conseil à vos jeunes filles à la maison, à vos filles à la maison. De rester tranquille. De rester tranquille. Orikata. Beaucoup des hommes aussi vont amener des hommes, des filles à séduire des hommes. Un groupe de filles aussi. Ils vont utiliser que dans un camp, dans un groupe, ils vont les envoyer vers des certaines hommes. Pour pouvoir les séduire, pour pouvoir les avoir. Pour pouvoir les séduire, pour pouvoir les avoir. Chacun n'est qu'à veiller. Je bénis ton nom, Seigneur. Accorde le discernement. Protège chaque vie. Protège nos maisons. Protège tous les enfants spirituels. Il y a un esprit d'empoisonnement actuellement qui règne en Côte d'Ivoire. Un jour, on priait ici, le Seigneur a dit que ça se passe au niveau des hommes d'affaires. Maintenant, ce n'est plus au niveau des hommes d'affaires. C'est rentré en Côte d'Ivoire. Surtout à Abidjan, c'est rentré.
faut savoir avec qui tu manges. Quand tu vas quelque part, il faut savoir qui te donne à manger, avec qui tu manges. Faites très attention quand vous mangez. Je te rends gloire. Je te loue, je te glorifie. Que ta protection soit sur nos vies. Au nom de Jésus, ton sang nous sert de couverture. Au nom de Jésus, que les cieux s'ouvrent sur nos vies. Que nos vies soient cachées en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, acclamez Jésus. Alléluia. Donc, ce que nous allons faire, chacun va prier à la maison. Demain, il n'y aura pas de direct. Jeudi, il n'y aura pas de direct. Vendredi, nous allons nous retrouver. Nous allons prendre la journée de vendredi pour jeûner. Nous allons prendre la journée de vendredi pour jeûner. Et nous allons nous retrouver. Vous avez écouté tout ce que Dieu a dit. Prenez ça et intercédez dans vos maisons. Intercédez partout où vous trouvez. Prenez ça comme des sujets de prière. Vendredi, nous allons nous retrouver ici encore. Pour implorer la grâce de Dieu. Je vais continuer à prier à la maison. C'est une parole. Ou s'il y a des paroles que Dieu me dit. On va voir. On va faire signe à tout le monde. Que Dieu vous garde. Que Dieu garde chacun. Que Dieu veille sur chacun. Que Dieu protège chacun. Que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun. Que Dieu sanctifie tout ce qu'on mange. Que les pouvoirs sataniques, les fétiches qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, que Dieu nous épargne, que Dieu nous veille sur nos vies et que le Saint-Esprit nous garde. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.